Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, il est écrit noir sur blanc, c'est le Christ qui parle. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et toutes les nations se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Ça c'est écrit noir sur blanc dans les quatre évangiles. Le Christ a bien dit qu'il vient visible et non invisible. Ça c'est le premier point. Et il y a 318 versets quand même qui le prouvent. Avènement, parousie, venir, présent, voir, selon ce qui est écrit à travers la parole de Dieu. Les anges ont dit aussi aux apôtres, vous voyez ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ce n'est pas un retour invisible, incognito. Paul il dit, il faut aimer son avènement. Ça veut dire, avènement veut dire voir. Alors, tout selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas un retour invisible, incognito, comme vous, les prédicateurs, en disant que Jésus revient invisible, incognito, anti-biblique, et vous n'êtes pas à la gloire de Dieu.